Yo la Pony Squad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, la première partie du monde de ma FAQ. Ça fait 2 semaines là, ouais, ça fait 2 semaines que j'ai posté la vidéo annonce FAQ, on va dire. Donc, du coup, je pensais la faire plus tard parce que là, j'ai pas beaucoup de questions. Mais le truc, c'est que. Comment vous dire que, voilà, là, j'ai 89 abos. Donc, comment je fais? Enfin, j'allais pas faire la FAQ censée pour les 70 abonnés pour quand j'aurai 100 abonnés. Sinon, ça ferait du taf quand même au niveau, voilà. Mais donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire la partie 1, là, aujourd'hui, tout de suite. Et je ferai tout simplement la partie 2. Ou partie 3 fois. Une autre fois quand j'aurai plus de commentaires. Mais quand même, voilà. C'était mieux de faire avant que j'ai 100 abonnés. Bon, du coup, on va pas plus perdre de temps. On va commencer les questions. Première question, est-ce que tu pourrais faire une vidéo RP avec les abos donc de nos cartes je sais pas, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que pour ceux qui savent pas, je viens tout juste de télécharger Canvasser sur mon téléphone. C'est très pratique d'ailleurs. Yes. C'est très pratique. Du coup, je ne sais pas si. Si je pourrais faire des RP avec les abonnés, parce que ça demande quand même de faire un petit peu de montage, hein, parce que c'était le bordel. Mais ouais, c'est faisable et bah, j'essaierai de réunir les abonnés. Enfin, pas tous, hein, parce que si on est 90, voilà. Mais oui, c'est faisable. Ensuite, deuxième question, toujours de Denocard. Question donc, quelle est ta robe de cheval préférée? Qu'est-ce que tu feras pour les 100 abos? Voilà, super tes vidéos, bon courage pour la suite. Donc, merci déjà pour ton petit message. Voilà, pour tes petits messages et ton message de fin. Voilà, super tes vidéos, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Donc, quelle est ma robe de cheval préférée? Ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo 5 faits sur moi, 5 faits. Et qu'est-ce sur moi? Je parle vite, je sais pas pourquoi, désolée. Donc, c'est noir. Et qu'est-ce que je ferai pour les 100 abos? Pour le moment, j'ai rien prévu, mais il faudrait peut-être, étant donné qu'on est à peu près 90 là. Voilà. Ensuite, de Emma de Note. Ah bah, c'est marrant, encore une Emma. Quel est le cheval le plus grand que tu as monté? C'était un double poney, donc il s'appelle Gary. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Voilà. À quand ta FAQ, j'ai hâte. La première partie est aujourd'hui. Voilà. Et je ne sais pas quand je ferai la partie 2. Voilà. Pourras-tu nous faire des vidéos équitation? Je ne sais pas. Bah, déjà, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas prévu de montrer ma tête. Donc, déjà, voilà. Et non, je pense pas franchement faire des vidéos d'équitation. Par contre, j'ai prévu, par exemple, quand je m'achèterai genre des affaires d'équitation, je vous ferai peut-être des hauls, voilà. Mais non, sinon, j'ai pas prévu de faire des vidéos d'équitation, mais je vous reproduirai en fait les cours sur Brookhaven. Voilà, ça compensera. Ensuite, as-tu de grands projets YouTube? Non, j'ai pas vraiment de grands projets YouTube. Honnêtement, non. Pas vraiment, non. Pas pour l'instant, en tout cas. Quel est ton jeu préféré dans Roblox? Mon jeu préféré dans Roblox, je sais pas. Je sais pas du tout. J'hésiterais, en fait, entre Brookhaven et Adopt.me. Je sais pas du tout. Ça dépend, en fait, des périodes. Enfin, des fois, je suis plus Adopt.me. Des fois, je suis plus Brookhaven. Ça dépend. Voilà, donc merci Emma de Note pour ton commentaire. D'ailleurs, t'en avais fait 2, je crois. Donc, merci pour tes commentaires. Ensuite, Miss Jessie Play, qui est une bonne amie à moi.
Qui me demande, salut Emma, j'ai retrouvé ma tablette. Ok, les questions. Quel est ton pet préféré dans Adopt Me? Mon pet préféré dans Adopt Me, c'est la licorne Méganéon. Voilà, donc j'en ai bientôt une. Je ferai peut-être une vidéo. Je ne sais pas, ça dépend. Je verrai. Voilà. Quel est ton jeu préféré dans Roblox? Du coup, j'ai déjà dit. Ça dépend des périodes. Par exemple, en ce moment, c'est plutôt Brookhaven. Des fois, c'est plus Adopt Me. Enfin, voilà quoi, ça dépend. C'est quand que je vais faire des concours? Voilà, bisous. Pour le moment, j'ai pas prévu de faire des concours. Mais bon, écoutez, si vous m'en demandez, si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être faire des concours, mais pas avec des pets de ouf. Mais ouais. Voilà. Et enfin, dernier commentaire de Emma de Note, encore une fois. Si je l'ai épinglé, c'est pas. Enfin, c'est. Parce qu'en fait, elle a dit coucou la bête, j'avais posé des questions, mais mes coms ont disparu. Du coup, bah, je les ai épinglés. En fait, pour pas que le com disparaisse. Le commentaire disparaisse. Donc voilà. Donc, coucou la bête, j'avais posé des questions, mais comme on disparaît, du coup, je te pose mes questions là. Donc, merci déjà. C'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rose gold. Voilà. Ensuite, pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que je regardais des vidéos, donc j'ai voulu faire comme elle, comme les autres YouTubeurs et YouTubeuses. Et j'ai demandé à mes parents, ils étaient d'accord, tant que je ne montrais pas ma tête. Et c'est parti comme ça, voilà. Ensuite, quelle est ta plus grande peur en équitation? Ma plus grande peur en équitation? Aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Bah, de faire une mauvaise chute. Je pense un petit peu la peur. Non, de perdre mes chouchous. Voilà. Parce que oui, comme tout cavalier ou toute cavalière, je pense, j'ai mes chouchous. Et d'ailleurs, c'est eux qui va entraîner. Non, je sais pas. Bon. Du coup, ton top 5 de tes chouchous, prénoms et photos. Donc, je mettrai bien sûr tes photos au montage. Donc, mon top 5. J'ai pas vraiment un top 5. Enfin, je sais pas si j'ai la photo, les photos de mon top 5, mais. Du coup, il y a. Fiera, d'où le nom de la chaîne, voilà. Donc Fiera, ensuite Good Luck, voilà, que je monte énormément, voilà. Gary, voilà, qui c'est le logo de ma chaîne, voilà, que j'ai monté 3 fois, voilà. C'est pas mal, hein. Pour 2 stages, c'est pas mal. Et après... j'aime bien Ukraine. Et en cinquième... j'en ai aucune idée, genre. Je sais pas. Bon, ce sera un top 4, hein, désolé. Parce que, genre, je les aime tous, en fait. Mais déjà, j'ai pas les photos de tous, hein. Clairement pas. Enfin, c'est compliqué. Voilà, du coup, pour cette première vidéo, enfin, pour cette première partie de ma FAQ, j'espère que ça vous aura plu, même s'il y avait très peu de questions. Voilà, mais c'est... Je me devais de la faire avant les 100 abonnés, hein. Faut pas abuser, quand même. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss !